Je reçois un jour une personne en consultation qui se plaignait en ces termes. Docteur, la dernière fois je buvais de l'eau et j'ai commencé à voir des choses noires au fond du bol. Ça ressemblait à des mouches et je me suis demandé comment des mouches peuvent nager dans l'eau. On a d'abord ri, puis la personne a continué en disant « J'ai dû jeter l'eau et me resservir plusieurs fois avant que mon fils ne me confirme qu'il n'y avait rien dans l'eau. » Ça m'a inquiété et c'est pour ça que je suis venu en consultation. Je lui ai ensuite demandé si le fond du bol était blanc et elle a répondu oui. Sa réponse a confirmé ce que je suspectais. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Sadé, je suis ophtalmologiste. En réalité, il ne s'agissait pas de mouches, mais de corps flottants ou myodésopsies en langage médical. Si tu apprécies mon travail, pense à mettre un petit pouce bleu et commente. Partage. Quelqu'un, quelque part, dormira plus informé grâce à toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans l'œil se trouve une structure appelée le vitré qui en occupe la grande partie. Ce vitré s'apparente à du blanc d'œuf et est donc transparent. Avec l'âge, il perd progressivement sa transparence et il se forme en son sein des petits grumeaux. Il peut aussi se rétracter et entraîner ce qu'on appelle un décollement du vitré. Ces deux phénomènes aboutissent à l'apparition de particules flottantes dans le vitré. Ainsi, en ambiance lumineuse où il y a beaucoup de lumière, les particules flottantes qui se trouvent dans l'as visuel se projettent en ombre chinoise sur la rétine, ce qui donne cette impression de mouche, de points noirs, de fils ou de cheveux ou encore des toiles d'araignée qui bougent avec les mouvements de l'œil et semblent s'enfuir quand on essaie de les fixer. Mais dans le noir ou les yeux fermés, cette impression disparaît. Dans la majorité des cas, cela survient chez les personnes de plus de 50 ans, les personnes myopes ou à la suite d'une chirurgie de la cataracte ou d'un traumatisme oculaire direct ou non. Il n'est pas rare de retrouver les corps flottants chez des sujets jeunes en excellente santé. Il n'existe pas de traitement pour éliminer les corps flottants. Avec le temps, ils vont quitter l'as visuel et devenir invisibles. Par ailleurs, une chirurgie qui permet d'aller retirer le vitré peut arriver à bout des corps flottants. Mais cette chirurgie présente plus de risques que de bénéfices. Elle n'est proposée que dans les cas très invalidants et n'est mise en œuvre que de façon exceptionnelle. Les corps flottants sont généralement inoffensifs et disparaissent avec le temps. Néanmoins, la survenue de certains symptômes nécessite une consultation en urgence chez un ophtalmologiste. Soit ils deviennent de plus en plus nombreux et s'apparentent à une pluie de suie, ou s'accompagnent d'éclairs ou de flashs ou d'un voile qui obscurcit une partie du champ visuel. Ces flashs ou éclairs sont immobiles, perçus au même endroit et même les yeux fermés ou dans l'obscurité. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime, commente et partage. Quelqu'un, quelque part, dormira plus informé grâce à toi. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, abonne-toi.